Bonjour les gens. Aujourd'hui dans cette vidéo, une journée très spéciale. Parce que c'est le 15 août. Et ici en Acadie, le 15 août, c'est la fête nationale. Donc on va aller participer au Tintamarre, qui est vraiment l'apogée des 15 jours de festivités. C'est la fête nationale des Acadiens. Donc les Acadiens, c'est le peuple francophone qui est venu ici. Enfin bon, on va essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va aller un peu crier avec eux, on va aller voir ce qu'il en est, chanter, sauter, ouais, tout ça. Ça va être chouette. Là, on est venu se poser, nous, on est au pays de la Sagouine. On va participer au Tintamarre, qui est pour le peuple acadien, pour montrer qu'ils sont toujours là, toujours présents, parce qu'ils ont été déportés par les Anglais, ils sont revenus, et pour montrer qu'ils sont fiers et qu'ils sont là, ils font du bruit le 15 août, et en fait, ça va se terminer au pays de la Sagouine, qui se trouve à Bourg-de-Touc. Ouais, c'est pas Bourg-de-Touc, mais ça nous y fait vraiment penser. Hein. Pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, on est dans la comté, clairement. Ouais, on est à Bouc-touc. Il y a un peu ce côté ancestral, puisque voilà, c'est le peuple acadien est venu ici, puis a été déporté, enfin ce qu'ils appellent eux ici. Le grand déplacement. Voilà. Enfin, on va vous expliquer un peu plus tout ça. Juste là, on a réussi à se poser, on est sur un terrain privé, gentiment, on a été accueillis par les Québécois acadiens qui sont à côté. Parce qu'ici, il y a les Québécois, le Nouveau-Brunswick. Mais l'Acadie, c'est pas une région, c'est vraiment une culture, et ils peuvent être présents sur l'île du Prince-Édouard. On nous a donné les petits drapeaux. Ils peuvent être présents au Nouveau-Brunswick, ils peuvent être présents en Louisiane. Enfin voilà, c'est un peuple à très hâte de faire le 15 août, parce qu'ici, ils disent le 15 août, ouais. Pas le 15 août. Le 15 août. Voilà, donc c'est parti pour le 15 août. C'est parti. On est à Bourg-de-Touc. Non, à Bouc-touche. Non, on est à Bouc-touche, au Nouveau-Brunswick. Et on a su que c'était un village où il y avait des grosses animations. Et effectivement. Bon. Ah, ça bouge un peu là. Et on est venu assister au Tintamarre, qui est une commémoration qui clôture les fêtes. Et au moment où je décide de parler, il parle. Bon, on va le filmer lui. Bienvenue au plus beau Tintamarre au monde. Beaucoup sont le sud-est. L'église va sonner le début du Tintamarre, mais d'abord c'est les VIP qui doivent montrer leur face en tête du cortège. Et après, le programme, je crois que c'est qu'on doit se... faire du bruit. Non, après il faut boire. Mais on fera ça ensemble, c'est pas grave. Réveille,
J'ai entendu parler, monter avec un beau soleil. Ça commence. Ça se met en route. Bon, c'est quand même très émouvant parce que c'est une fête qui célèbre quand même la résistance de ce peuple qui s'est fait un petit peu déménager. Déranger comme ils disent. Ouais, voilà, ils se sont fait déranger. Et là, ça parlait justement, les paroles de la chanson, c'était qu'ils étaient partis en Louisiane, qu'on avait mis le feu à leur maison, qu'on avait tué leurs grands-parents. Enfin, que les enfants étaient arrachés à leur famille. Donc c'est quand même... Moi, je peux comprendre. C'était plein d'émotions là. C'est festif. Café là, surtout. Ouais, c'est festif, mais en même temps, ça rappelle quand même que. Et c'est toujours d'actualité, malheureusement, dans le monde. C'est qu'il y a des peuples qui se font chasser par d'autres sous prétexte d'origine, de culte, de croyances. Voilà. Donc, faut pas l'oublier. Soyons tolérants. De terrain et là elle a trouvé le reporter de terrain. Sur le
On a bien fêté le 15 août. Ouais, ce matin on se réveille, on a fini un petit peu tard. Ça finissait à 1h du matin, autant pour dire qu'ici c'est grosse chouille. Ouais, c'est grosse chouille. On n'a pas traîné jusqu'à 1h du matin parce que les enfants étaient fatigués. Non, en fait on a fait deux fois. On a fait le Tintamarre comme vous l'avez vu. Après on est allé l'après-midi voir les festivités qu'il y avait sur l'île de la Sagouine. Après on est ressorti, on est allé manger, on a bu l'apéro avec les voisins qui sont juste là. On vous en parlera, vous les connaissez déjà, on les a vus sur l'île du Prince-Édouard et on va d'ailleurs, là ils sont en train de ranger un peu, parce qu'on va vous faire une présentation mais ça sera dans une autre vidéo. Ouais, mais ne la loupez pas et pour ça, pour ne pas louper les vidéos, il faut s'abonner. Et il faut surtout activer les notifications, comme ça vous êtes au courant quand les vidéos sortent. D'ailleurs on voulait parler de ça un petit peu, est-ce qu'on change notre rythme de diffusion? Peut-être. Donc comme on est en train d'y réfléchir, on est en train de réfléchir à plein de choses. On vous avait dit que sur la rentrée, il y aurait des nouveaux projets. Donc activez bien les notifications parce que les choses peuvent changer sur la chaîne. Et on va peut-être vous proposer du contenu un peu différent. Mais ça, c'est une autre histoire, nous en reparlerons. Les Acadiens, donc grosse fête. Vraiment, c'était bonne ambiance, super musique. Moi, je pensais pas m'ambiancer sur Alouette, gentil Alouette. Alouette-ski. On était au taquet. Alouette-ski. C'était vraiment chouette. Chin-chin-calis. Chin-chin-calis pour mon gang de chums. Chum de gros. Non, c'était vraiment chouette. Donc ici, c'est vraiment une culture très forte. Donc c'est pas les Québécois, parce que les Québécois, c'est les Québécois. Mmh. Les Acadiens, ce qu'on vous expliquait, c'est vraiment une population francophone. Et lorsque, en Europe, on a perdu la guerre contre les Anglais, et ben on a perdu... 750, du 750 à peu près, par là. Et ben on a perdu la guerre ici aussi de fait, puisqu'ils étaient français. C'était une colonie française, dont tous ceux qui sont venus découvrir Jacques Cartier, tout ça, tout ça. Et ils ont été déplacés, expulsés, donc c'est une histoire un peu dramatique, où ils ont été vraiment chassés. Bah, par exemple, rien que sur l'île du Prince-Édouard, il y a eu plus de 8000 personnes qui ont été déportées, et il n'y en a que 2000 qui sont arrivés à destination. Ils sont morts de maladie, de naufrage, ils sont allés soit en Louisiane, soit ils sont retournés en France. Et en fait, il y en a très très peu qui sont revenus en Acadie après. Il y en a sur les 8 ou 10 000, il y en a 1500 qui ont réussi à se planquer sur l'île du Prince-Édouard. Mais après, ils ont été acculturés, on ne voulait pas d'eux, ils n'avaient pas le droit d'avoir des terres jusqu'à très longtemps, que le gouvernement britannique ne voulait pas que ce soit des Français. Enfin, avant que le Canada soit promulgué comme le Canada aussi, enfin, c'était très compliqué. Donc c'est une histoire forte et ils ont donc ce besoin de se retrouver entre eux, de commémorer le passé, de commémorer cette résistance. Et de dire qu'ils sont toujours là. Et c'est pour ça que la country, c'est en français. En fait, c'est pas en français, c'est leur langue, comme on dirait le breton ou le corse. Voilà, le chiac, qui est inspiré. Bien sûr qu'il y a des mélanges de mots anglophones. C'est une sorte de langue régionale très forte, que tout le monde parle ici. Et en plus de ça, ils sont catholiques, donc c'est pour ça qu'ils fêtent leur fête nationale le 15 août et que... Oui, donc. Sur le drapeau acadien, c'est fin du 19e siècle à peu près. Donc ils ont mis le drapeau français parce qu'ils ont historiquement ils étaient très liés à la France et ils ont mis l'étoile qui est la Stella Maris, donc qui est l'étoile de Marie qui représente et la mère et la Vierge Marie. Le fait donc le 15 août, et on le dit 15 août. Le 15 août, on dit le 15 août et on se dit ici bon 15 août, qui est vraiment cette fête. Ils disent que c'est une fête nationale, donc ils se considèrent comme une nation. Et c'est vrai qu'ils sont, c'est compliqué aussi pour tout ce qui est de la francophonie. Donc il y a ce combat-là aussi de continuer à tout traduire, puisque leur langue à eux, vraiment, c'est. Il y a des Acadiens un peu de partout dans le monde. Hein. Par exemple, la Louisiane, avec la Nouvelle-Orléans, c'est les Cajuns. Et en fait, Cajun est un dérivé de Acadien. C'est quand ils sont arrivés là-bas à la fin du 18e siècle. Et en fait, ils se sont appelés les Acadiens et en fait, ça a tout déformé, c'est devenu les Cajuns. Et là, il y a même une abonnée qui nous a écrit et qui nous a dit qu'il fêtait les 250 ans de l'arrivée des Acadiens dans la Vienne. Oui, et ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est aussi. Ils ont fui en Louisiane parce que la Louisiane était aussi française en se disant aller se réfugier entre francophones. Et ça n'a pas été forcément. Mais c'est aussi pour Ils ne sont pas allés se réfugier, on les a expulsés là-bas. Oui, ça va. Enfin, c'était. Tu vas en Louisiane ou. Tu meurs. Voilà. Mais ce qui explique aussi qu'il y a encore ce French Quarter très important en Louisiane. Et ça, c'est une histoire que nous, on n'avait pas. On savait qu'il y avait des Français en Louisiane, mais on n'avait pas compris ou on ne savait pas que les Acadiens aussi avaient dû migrer là-bas. C'était très intéressant, outre le fait qu'on s'est bien marré, qu'on a retrouvé nos copains voyageurs, Priscilla et Stéphane. On va vous faire une présentation de leur van, mais surtout de leur mode de vie, parce que c'est encore un autre moyen de voyager. C'est quand même quelque chose dont vous en avez parlé un petit peu en live. Mais on va vous présenter tout ça. Nous, on va reprendre la route parce qu'il y a quand même deux parcs nationaux qui nous attendent au Nouveau-Brunswick. S'il fait beau, parce que alors là aussi, la météo, on va pas faire un bilan météo, mais même les Québécois là et les Nouveaux-Brunswick, ils sont au bout de leur vie. Ils ont jamais vu un été aussi pourri. Non, l'été est complètement pourri. Hein. Il n'y a pas eu une semaine de beau temps où on peut se dire on profite, on va à la plage. Non, c'était au mois de juin, donc quand les gens n'étaient pas en vacances, mais juillet, août.
Que ce soit ici au Québec, parce qu'on a des gens qui sont là-bas, ou ici, non, vraiment, météo, pas top. On fuit la pluie, mais la pluie... Après, il fait pas froid, heureusement. Mais il fait pas beau. Bon, bon, bref, ceci est une autre histoire. Donc, on espère qu'il va faire beau quand même, pour qu'on puisse aller découvrir ces deux parcs nationaux. Donc, le parc national du Pic. Ouais, et l'autre, imprononçable. On vous mettra le nom là. Non, dans la prochaine. Tout ça, c'est dans la prochaine de la prochaine. Et puis, si vous êtes toujours là, sachez que nous serons du 1er au 3 septembre au festival El Campo, au Domaine du Radar, dans le Chaudière-Appalaches du côté de Québec. Et vous pouvez venir participer aux festivités, même si vous n'avez pas de van, mais venir à la journée. Il y a une entrée qui sera vendue sur place, qui est autour des $25. C'est ça. Et mais il y a plein d'activités. Oui, des activités pour les enfants, il y a des conférences, il y a des artisans, il y a des... Voilà, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à venir nous y rejoindre, même ne serait-ce que pour y passer la journée. Exactement. On a tout dit ? Oui. Oui. Bah, oui. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On l'a déjà dit. Ça, c'est on like les likes et en commentaire. Bon 15 août à tous. Ouais, bon 15 août. Voilà, parce qu'on est tous un peu à côté. Et essayez d'écrire 15 août. 15 août et pas 15 août. Ouais. Allez, sur ce, on vous laisse parce que nous, on va reprendre le bus pour aller explorer tout ça. À donc, plus. On vous dit à plus. Donc, Cactus, des bisous. Des bisous. Ah. Vas-y. Je vais la